L'émission Rupture s'intéresse effectivement à tout ce qui est sport mécanique et tout ce qui est automobile, moto, mais s'intéresse aussi forcément à tout ce qui est sécurité routière. On a un nouveau concept qui est en train de se développer ici en Martinique qui s'appelle Easy Drift. Pour en parler, on va justement demander plus d'informations à Alexandre. Alexandre, très simplement, qu'est-ce qu'Easy Drift ? Easy Drift, c'est une enveloppe en matière très spéciale. En fait, c'est un polymère à base de nylon, de métal, de plein de composants qui se chausse sur un pneu. En fait, on dégonfle le pneu, on installe l'enveloppe. Ensuite, tu regonfles le pneu et donc, si tu veux, tu remplaces la bande de roulement par une surface en matière polymère. Et du coup, l'adhérence est très fortement diminuée. C'est-à-dire que sur la roue, tu places les anneaux, tu as une adhérence proche de la glace, en fait. Donc, c'est un produit qui est fantastique pour justement magnifier le comportement de la voiture et savoir comment conduire en situation extrême. D'accord. Donc, aujourd'hui, c'est un produit qui va nous permettre, en tout cas au grand public, de savoir comment se comporte une voiture en cas de perte d'adhérence, surtout à l'arrière. Exactement. Il y a plusieurs applications pour ce produit. En fait, tu as l'aspect formation qui est exceptionnel puisque en fonction de l'endroit où on place les anneaux, on peut mettre en évidence tel ou tel phénomène physique de la conduite et l'appréhender très facilement puisqu'il n'y a pas de vitesse. Et tu sais, très souvent, la vitesse paralyse et voilà. Donc là, à très faible vitesse, tu peux magnifier tout ça. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, comme on voit Simon le faire là derrière nous, c'est un aspect ludique. Là, ça demande énormément de technique et de maîtrise parce que à 20 à l'heure, il faut réagir comme si tu étais à 150. Donc, c'est vraiment très technique et très pointu à conduire. Maintenant, c'est extrêmement amusant et extrêmement gratifiant quand tu arrives à maîtriser les glisses, à emmener la voiture où tu veux et c'est vraiment très chouette. Donc, en quelque sorte, tu essaies de joindre l'utile à l'agréable. Exactement, exactement. En fait, c'est un produit qui permet de tout faire. C'est sûr que l'aspect sécurité routière est très important. Il faut savoir que c'est un produit qui a été développé aux Antilles, hein, parce que bon, je suis passionné, je suis né ici, je suis passionné de sport mécanique avec des amis, on a mis ça au point. Et aujourd'hui, on en vend à la police américaine. Et c'est en train de devenir un standard là-bas. Ils s'en servent énormément, ça remplace tous les autres procédés qu'ils avaient pour apprendre à conduire parce que c'est d'une simplicité enfantine et si tu veux, tu peux l'exploiter sur n'importe quel terrain. Le seul truc, c'est que ça m'a quand même mis énormément de temps à mettre au point parce que la matière qu'on a sur ce produit est une matière incroyable. C'est un polymère, il y a une usine dans le monde qui est capable de fabriquer cette pièce et c'est un truc vraiment de fou. C'est-à-dire que tu imagines bien qu'un bout de plastique avec une bagnole d'une tonne dessus, les premiers essais, ça a duré 10 minutes, quoi. Et là, on en a pour plusieurs heures, de plusieurs kilomètres de glisse et d'amusement, quoi, on va dire. Pour vous, en exclusivité, Rupture a participé à l'inauguration officielle du système Easy Drift avec comme parrain, excusez-moi du peu, monsieur Simon Jean-Joseph, s'il vous plaît, champion de France des rallyes terre, champion d'Europe des rallyes il y a quelques années et bien sûr champion de Martinique aussi. Donc, venez avec moi, je vais vous montrer ce que c'est exactement. Donc, nous avons l'honneur d'avoir monsieur Simon Jean-Joseph pour une démonstration du produit Easy Drift. Donc, en deux mots, très rapidement avant de partir, Simon, qu'est-ce que c'est ? Easy Drift est un produit extrêmement intéressant en termes de sécurité routière et surtout en termes de compréhension de ce qui peut arriver sur la route. Moi, je m'en sers pour sensibiliser les gens aux problèmes de l'insécurité ou de la sécurité routière. On va voir ensemble que très rapidement, on se retrouve dans des situations d'adhérence très précaires, ce qui peut arriver au quotidien, et que par les transferts de masse dont on ne se rend pas compte et par une conduite peu adaptée, on peut facilement avoir des accidents. Donc je n'ai pas la prétention, moi, d'apprendre aux gens à piloter ni à être des potentiels chauffeurs, mais en tout cas, j'ai la prétention de leur montrer ce qui peut arriver s'ils roulent un peu trop vite, s'ils font un peu trop confiance à l'ABS, s'ils font un peu trop confiance à toutes les aides électroniques et surtout leur faire comprendre qu'une voiture, ça reste un outil dangereux et il faut s'en servir avec beaucoup de recul et surtout être raisonnable au volant. Très bien, donc je pense qu'il n'y a pas mieux que l'exercice pratique pour nous montrer tout ça. On va y aller. Donc ce qui se passe, c'est que là, on va montrer un exercice tout simple. Hein. J'arrive, je suis en ligne droite, j'arrive pour aborder un virage. Je mets un peu d'angle volant, il y a quelque chose qui se passe, je freine et hop, je me retrouve en tête à queue. Ce que je fais là à 20 à l'heure, c'est exactement ce qui se passe dans une voiture à 80 à l'heure. La seule différence, c'est qu'ici, je peux montrer un exercice sans prendre de risque et que sur la route, ben, je peux me retrouver ou avec une voiture, ou un camion, ou un poteau, ou un arbre, ou un obstacle, ou un piéton. Et là, ce n'est pas la même chose.
Et c'est ça que je veux faire comprendre aux gens, c'est leur faire toucher du doigt le fait que je n'ai pas du tout la prétention qu'ils deviennent des pilotes, mais je voudrais surtout qu'ils prennent conscience qu'il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils font lorsqu'ils prennent le volant d'une voiture. Ce que j'en pense, le plus grand bien, sinon j'en ferais pas entre guillemets un peu la promotion j'adhérerais pas à ce projet. Je crois que c'est un projet très intéressant sur lequel je travaille actuellement. Je souhaite pouvoir développer un certain nombre de choses pour faire toucher du doigt aux gens les risques qu'ils peuvent avoir au volant. Et c'est un produit qui est à la fois pédagogique et ludique, parce que d'un côté il peut montrer les risques qu'on peut prendre au volant, et puis d'un autre côté, on peut aussi se faire un peu plaisir. Donc voilà. Donc juste à l'instant au volant, nous avions Bruno Saint-Fort qui est un ancien pilote et qui apparemment avait quelques petites difficultés, c'est vrai que c'est la première fois qu'il le fait. Quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui vient de prendre en main l'Easy Drift ? L'Easy Drift, en tout cas pour la Martinique, ce n'est pas un objet ludique. Je souhaite, moi, avec Alexandre, s'en servir pour faire de la pédagogie et montrer aux gens ce qu'on ne doit pas faire et surtout ce qui peut arriver en cas de problème. Donc voilà, après, sur un circuit fermé avec toutes les conditions de sécurité nécessaires, là on peut vraiment se faire plaisir et on peut vraiment faire des opérations très sympas comme Alexandre est en train de le faire actuellement. Merci beaucoup. J'ai fait conduire beaucoup de voitures avec ça, donc voilà, c'est une question d'habitude après. Simon, c'est la deuxième fois qu'il en fait, il est impressionnant. Je te promets que vraiment, il y a du métier là, tu vois que... Parce que tu verras, on pourra faire une émission ensemble avec des gens qui n'ont jamais conduit ou quoi, c'est vraiment très technique, très très technique. Et te remercie, allez, régale-nous.
Merci beaucoup Alexandre, et puis donc on se tient au courant pour la prochaine manifestation d'EasyDrift.